Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette première session, petite session de Epistory Typing Chronicles, jeu de Fishing Cactus qui est également sur un autre titre, Typing Chronicles en ce moment. Enfin, je sais pas s'ils sont dessus en ce moment, mais en tout cas, il y en a un autre qui est censé sortir dans pas longtemps qui s'appelle Nanotail, si je ne me trompe pas. Epistory donc, qui est un jeu dans lequel on va écrire des mots et ça va faire des choses. Donc on va jouer clavier-souris, hein, bien entendu. Pour écrire, c'est plus simple. Nous sommes sur PC. Et allons-y. Alors, faut que je m'acclimate un petit peu. Dans la mesure où je suis habitué maintenant avec Enter the Gungeon à avoir des débuts où il y a une grosse musique et tout. Ça part dans le dynamisme direct. Et là, à la place, on est en mode petits oiseaux. Donc forcément, on va prendre le temps de se relaxer. Hein. C'est ce qui nous manquait dans Enter the Gungeon, la relaxation. Relaxons-nous. Et profitons donc de tout cela, commençons une nouvelle partie. Donc dans un style graphique, le beau, dans un style graphique assez semblable à du papercraft. It was the best of times. It was the worst of times. There was a girl. And she rode upon the back of a great fox. But they were lost. They had always been lost. Until a path appeared. And so she followed. EFJ. EFJ. Ah, c'est très particulier. Déplacez-vous avec la main gauche et la main droite. Donc les deux mains sont sans cesse sur le clavier. C'est vraiment un jeu, pas clavier souris, mais clavier tout court. Pas de soucis. On va juste bouger un petit peu le setup. Afin de faire en sorte, ça va faire un peu de bruit, hein, bien sûr. D'abord, ce qu'il nous faut, mes deux mains encerclant le micro. Alors, EF et JI. Très bien. Ok, c'est particulier. Mais admettons, pourquoi pas. Ces commandes sont recommandées pour une meilleure frappe, mais vous pouvez aussi utiliser vos commandes de jeu habituelles. Genre ZQSD? Ah oui! En effet. Bon. On va utiliser ce qu'on nous préconise, et dans le pire des cas, deuxième session All finira sur du ZQSD. Elle était à la maison. Les bois l'ont protégée comme enfant. Vous avez bien sûr la traduction marquée dans l'environnement du jeu. Bah non, c'est bloqué. Appuyez sur espace ou entrée pour changer de mode. Puis tapez le mot pour détruire l'obstacle. Touffe! Donc là je tape touffe. Et c'est gagné. Chaque mot tapé rapporte des points d'inspiration. N'oubliez pas d'appuyer sur espace pour afficher les mots. Voilà, il y a beaucoup de choses. Zinnia, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. C'est le moment d'apprendre des mots. Hein. S'il y a des mots que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller chercher la définition. Là, j'imagine que c'est que des noms de plantes. Campanule, des noms de fleurs. Nouvelle zone prête à être révélée. Très bien. She felt the woods begin to wake up around her. Elle avait marqué qu'il fallait 100 bidules. À mon avis, c'est les plumes, les points d'inspiration que j'ai en bas. J'ose l'imaginer. On est vraiment dans le délire du livre. Where? Why? What? On se pose beaucoup de questions, visiblement. Alors. Calendula. Agave. Marguerite. Jasmin. J'ai une nouvelle amélioration disponible, grand bien me fasse. On adore. Sédiment. She remembered discovering precious stones. Vous avez assez de points pour... Oui. Très bien.
Ah là, il faut que je prenne la souris par contre, ou comment ça se passe? Oui, d'accord. Deux points restants. Vélocité, le renard marchera et courra plus vite. Intensité, chaque mot tapé donnera plus de temps au combo. Bien. Allons-y, améliorons notre combo. Est-ce que ça s'est sauvegardé? C'est bon, j'ai gagné? Ok, j'ai gagné. Ah, il y a une carte. Nous sommes là. Il y a d'autres révélations. J'imagine que c'est des espèces de puits de lumière qui se baladent. Très bien. C'est un jeu de chill. Hein. She dared not try to cross the fragile flows. Oui, alors ça, visiblement, je ne sais pas encore comment faire. Faut s'y faire, hein, cette touche. Donc baladons-nous vers ici, hein, globalement. Bon, je pense que je vais rester sur ZQSD, hein, même si pour les... Non, c'est pas tape que je voulais faire. Voilà. Même si pour taper, c'est moins rapide. Scribe, succès déverrouillé. J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer ces touches particulières, mais... Ok, donc le feu, c'est mort aussi. Préférence. Applaudir. Ah, il faut en balancer plusieurs sur lui. Opulence. Kézézé. Et apparemment, c'est beaucoup d'inspiration. Nouvelle zone prête à être révélée. Bravo. Vive nous. Ok. Frisia. Ici, il me faut le pouvoir des flammes. Dangers awaited beyond the forest. Sensing a terrible wrongness, she looked up. Vous savez, moi, le danger. And fire fell from the sky. Ah. Très bien. Chapitre 1. Signaux de fumée. Ah oui, on n'est pas sur le danger de l'ordre d'une bûche sur le chemin, quoi. Had a star died? Had the moon fallen? Peu de signal. Succès verrouillé. Je vois que vous voyez succès. C'est très bien. She didn't know, but she wasn't home anymore. Oh, on n'est plus vraiment à la maison, oui et non. Chitinous chattering creatures began to appear. Ah! Sol. Boa. Ah, des petits rampants. Oh, des gros rampants aussi. Le son est peut-être fort. Je vais baisser le son après. Ok. Alors, excusez-moi, le son. Je ne peux pas changer le son ici? Ah si, audio-vidéo. Excusez-moi. Mettons le son... C'est un effet? Ah oui, c'est un effet. Comme ça. Bien comme ça. On apprécie. La voix et tout, ça va. Hein. C'est juste la musique qui s'est un petit peu emballée. Ah oui, on avait peut-être des améliorations aussi, oui. Deux points, on a maintenant la course. Le renard commencera à courir quand vous appuyez sur mage. Non, go les combos. Hein. Pour le moment. Je sais pas à quoi ça sert, mais si c'est pour avoir plus de points d'XP, enfin de points d'inspiration, excusez-moi du peu, bien sûr qu'on va vouloir améliorer ça d'abord. Parce que ça va nous permettre de choper plus de trucs ensuite. Bon d'accord, peut-être qu'on est finalement pas vraiment chez nous. En effet. En effet, si on se fait un peu agresser comme ça, ça peut poser problème. Là, on avait que des petits mots de 3-4 lettres. À mon avis, par la suite, on aura des mots comme Asphodel, vous voyez, en situation de combat. Si près et pourtant si loin. Si on regarde la carte... Oui, les deux chemins mènent à Rome. Explorons d'abord celui de droite. Ici que le changement de simili-biome
soit avec une muraille. Sol. Petite pierre précieuse, songe 5 balles. 5 petits points d'inspiration, toujours ça te prie. J'apprécie. Parchemin, est-ce qu'on peut le péter? V, X, C, V, B, N. Ah, c'est la ligne du bas du clavier, très bien. Schist. Oh, schist. Un coffre. Bonus. Coupe. Machin. C'est plus facile de ne pas regarder le clavier hein, quand on a les doigts où on sait où ils sont. Succès déverrouillé. Muse 1%. La complainte du vieux marin. Ah bon. Ok. Si vous voulez. C'est un nom de succès très particulier. Mais je suis pour. Hein. Bonne surprise avant tout. Un métacritique 80. Au moins. Pour le nom de ce trophée. Merci beaucoup. Ah, il y a des petits animaux là-bas. Des petits lapins. Alors, rocher, tremble. Oh, ça va, là, je m'y fais un peu. Oui. Because if she didn't, who would? C'est vrai. C'est vrai. Étant donné qu'il n'y a pas grand monde, mis à part des lapins et nous. Et des monstres. Des petits rampants. En effet, c'est à nous qu'il revient de faire quoi que ce soit. On s'y fait ou on touche un petit à petit? Je tenais à vous le signaler. Sachez-le. Bon, les trucs en feu, là, c'est mort. Alors que ce rocher. Galen. Oh là, le texte sur le texte, ça marche moyennement. Hein. Bonjour. Ah! Et ils tombèrent, vide brûlant. Ah, nous voici dans la caverne. J'ai l'impression de jouer à un... J'ai l'impression de jouer à un Ken Slash, là. Petite caverne. Lost in darkness. Le truc que je peux... Ah, je peux péter les stalactites. Alors, c'est plutôt des stalagmites, là. Parce qu'ils montent. Un stalactite est sur le toit, il tombe. Ah, mais il y a des monstres directs, quoi, qui se baladent. Sans que ce soit une arène. Ok. Ok. Faisons donc gaffe. C'est vraiment un hack and slash. Ah bon. Until fire roared behind her. The meteorite had buried itself deep. Wicked things crept from its dark core. Très bien. Briar and Bramble blocked her path. Ah bah surtout que je n'ai pas la capacité de sauter avec mon renard géant. Ah bon. R, tri. Ils vont vite, hein, les petits salauds. Pouh. C'est pas passé loin. Hein. Très bien. Sélénite. Calcaire. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que tu peux y jouer en disant des mots totalement random. Ça passera. On pensera que t'es concentré. Cré. Ah, derrière! Sec. Alors attendez, j'ai deux endroits. J'ai un nid là-bas. J'ai un truc vers le nord. Je sais pas si je suis censé aller au nid ou pas. Et du coup, est-ce qu'on serait pas le gros là? Ah! Ah non, d'accord, j'ai pas le droit de. Il me faut le pouvoir du feu. Il me faut le pouvoir des lettres rouges. Pour pouvoir vaincre la grosse chenille. Avec mon renard géant, hein, bien sûr. Tout va bien. Daddy, look. Quoi? It'll die if we don't save it. Comment ça? Qui êtes-vous? Alors moi, je veux bien pour... une narratrice, hein. C'est compréhensible, mais... qui est cet enfant? The cavern closed in around her. Suffocating. Les cavités. Carbonate. Ah. Cours, vol. Ah mais je peux pas les vaincre. Fuis.
Dis oui. Only fire could save her. Dis oui à la vie. Caverne. Angélite. Gravat. Éruptive. Oui, oui. C'est le mot à ressortir en soirée. Hein. Ah, vous êtes fort éruptive aujourd'hui. She saw something across the lava. Petit chemin. A power which the meteor could not destroy. J'ai gagné. Je crois que j'ai gagné. Ah oui. Paf. Boule de feu. Excellent. Attendez. Ouais. Ah. Chercher la touche pour aller vers le bas. Oh, il y a un coffre là-bas. Miracle. Rançon. Génie. Diamant brut. Succès déverrouillé. C'est vrai, je suis un peu un diamant brut. Ah, je l'ai vu, hein, le petit calorie là-bas. Attendez, on va d'abord aller chercher le coffre. Coffre calorique. Ah, vous allez trouver un fragment, appuyez sur table pour le voir. D'accord. C'est beau, c'est des arbres. Vive eux. Un paysage automnal. Mais encore. Ah oui, les nouveaux chemins, c'est vrai. Vive les nouveaux chemins. Alors, nous avons du galet. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment... dès que c'est dans l'écran, c'est bon. Genre, il n'y a pas d'occlusion... Les boules magiques passent à travers tout. Pas à se poser de questions. On écrit les mots et c'est bon. We'll be friends now. I'll look after you. I promise. Mais qui dit ça? C'est quoi? C'est mon perso qui dit ça? C'est pas mon perso qui dit ça. Ok, nous avons ouvert une porte en papier. Papier mâché, ohé ohé. J'active à l'avance, hein, on sait jamais. Hein.